approcher par colonne. Très bien. Entretien individuel. Hey, allons-y. Allons-y, je suis prêt à faire l'entretien individuel. On m'attendra ici, en colonne. Bon, hop, bon, voilà. Ça va être long, ça va être long, je le sens. Le géant ne dérange pas la formation, là. Bon, allons-y. Oula. Oula. Ça va être mon tour. Hein. Oui, tu peux. Parfait. Voilà. La cuisine. Au prochain. Je suis paré. Nom, prénom, âge. Shikyo Gold, 22 ans. Est-ce que tu as des connaissances de la marine ? Affirmatif. Est-ce que tu as tes motivations et des ambitions ? Mes motivations sont de créer une vraie justice, faire régner le vrai ordre, abattre les hommes-poissons qui font le zouk en ville, ou encore abattre tous ces pirates. Mes motivations sont d'atteindre les plus grands de la marine. Est-ce que tu as un problème avec mes ordres ? Affirmatif. Je respecte tous les ordres, à part les ordres débiles. Tu peux aller à la banque de Lockdown. Affirmatif. Des caporal. Tu sécurises le périmètre. Au prochain. Bouge pas. Reculez. Vraiment. Procède à un échange. On procède à un échange de. Avancez petit à petit, mais de les deux messieurs. Non, il y aura pas d'échange. Vous êtes trop. Bougez pas. Il y aura pas d'échange. Je veux deux personnes ici maximum, deux marines, pas plus. Les autres, vous dégagez. Kazuki. Et celui-là derrière moi aussi, il va dégager là. Hein. Oh, je t'ai pas vu. Bien, mon caporal. Viens avec toi, viens avec moi, toi. Bon, bouge pas. Vous me faites mal, c'est qui lui encore? Faites attention à vous! Vas-y. Allez. S'il y a le moindre pépin, je vous tranche en trois! Fais attention à tes paroles. T'es avec nous? Merci, en poisson. Les hommes poissons, c'est fait pour se tenir la main. Comment ça, vous les connaissez même pas, mais vraiment, hein? Vive les hommes poissons! Les hommes poissons. Les hommes poissons, nous sommes des hommes fiers. Et nous sommes meilleurs que vous, humains. Car vous, vous êtes des merdes. Eh ouais. Bien dit. Quelle solidarité ensemble. On est solidaires entre nous. Je vous remercie, hommes poissons, je vous remercie. Ok. Et pas trop de mouvements, hein. Si vous voulez pas que je vous fasse de transformer de vous en sachet. On va procéder à l'échange maintenant. Allez-y. Avancez-vous. Avance le marine. Et on tue votre homme. Recule. Oh, sautez. Oh mon gosh. Et l'homme poisson. Ah, quoi tu vois ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Fumez la marine là-bas. C'est quoi ? Ces races de chiens là. Fumez ces races de chiens. Je sais pas comment ça marche. Putain, race de chiens. Y'a un mec ici, je crois. Quelqu'un ici, non ? Allez, mais. Ah putain, c'est je peux pas. Ça. J'ai pas d'arme à distance, oh moi. Fais attention. Ouais, crocodile va les attraper. Ouais, mais l'homme poisson. Attends, c'est un monstre marin, c'est merde. Crocodile va les attraper. Je te donne des croquettes. C'est à deux doigts d'aller dans l'eau là. Je suis trop loin, vous insultez chacun. Maintenant, je me présente, je suis encore une fois le caporal chef Von Dutch. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom et qui m'appellent caporal chef. Vous pouvez aussi m'appeler Von Dutch ou bien vous pouvez m'appeler monsieur. T'en retournes en ligne et tu vas derrière tes camarades, vu que t'es un géant. Sinon, tu bloques la vue. Très bien. Je vais rappeler tout le monde, vous allez aller les chercher. Nous allons continuer la suite de votre formation. Ça va être une formation théorique qui va durer 5 minutes. Je vous laisse tous aller les chercher et les ramener en salle de classe, en salle de dispatch, juste en haut. D'accord ? Allez, dépêchez-vous. D'accord, mon caporal chef. Allez les chercher en ville. Affirmatif, caporal chef. Tout le monde était là en fait. C'est pas là, c'est là-bas. Tout le monde est déjà là, je sais pas pourquoi ils demandent à chercher, mais bon. Salle de dispatch. Bah, c'est bon, moi je suis prêt. Dépêchez-vous là. Allez. Ouais, tout le monde.
Allez, faites des pompes. Et là, on compte ensemble. Vous deux, vous comptez ensemble. La putain de cohésion d'équipe ici, là. Allez, dépêchez-vous, là. Dépêchez-vous. Connard. Allez, écoutez en même temps. Qu'est-ce qu'il y a, Gold? Tu veux pas pomper, Gold? Tu veux pas pomper? Tu rigoles en plus. Ah, tu rigoles. Tu rigoles. Tu t'es prêt pour qui? Allez, pompe, dépêche-toi. Bon, allez. Allez, plus vite que ça, vous, là. Allez, vous comptez tous, là. Cohésion d'équipe, vous comptez. Et un, deux, trois, quatre, pensez toi pour pas faire de pompes. Et toi aussi, compte. J'ai un problème, j'essaye de faire des pomptes, mais ça... Et toi aussi, le milieu, tu comptes, là. Et pareil pour toi. Là, je fais des squats à la place. Ouais. Vous comptez tous ensemble. Allez, Gold, tu comptes pour tes camarades de merde. Ah, je suis que Gold. Ah, t'as compris? T'as compris, je suis que Gold. 4. 5. Et il veut pas compter le chique gold. Tu veux pas compter le chique gold. Dépêche-toi de compter là. Si, je comptais pas. Ok. 1. Non, là, tu comptais pas là. 2. Tous ensemble. Vous êtes virés. 1. Il a pas fait exprès. 2. 3. 3. 4. Être pour rejoindre nos rangs. La discipline. Moi, monsieur. Oui. La oui, camaraderie. Ericsson. Oui, c'est ça. Gold. Le sérieux. Afin de rentrer dans notre rang, un marine doit être en possession de ses moyens et d'être apte à prendre des décisions lui-même. Il doit être également appartenir à la race humaine ou géante. Les hommes poissons ne sont pas le bienvenu chez nous. Et savez-vous pourquoi? Ils sont pas acceptés parce que ils sont différents. Voilà, ils sont différents. Ils sont tracteurs. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi là? J'ai rien dit, caporal chef. Espèce de sale gros porc, qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit c'était une sourasse, caporal chef. C'est toi la sourasse. Espèce de sale merde, va. Vous représentez, vous avez un droit de réserve chez nous. Que vous soyez en civil ou en service, vous êtes dans l'obligation de devoir respecter la marine, votre titre et votre image, car votre image est la nôtre. Celui qui ne représente pas une image adéquate se fait virer, exclure, restreindre. Excusez-moi, qu'est-ce qui tape? Ils n'arrêtent pas de se faire interrompre, ça. Il va devenir... Très bien. Il devra avoir des qualités physiques et mentales suffisantes pour tenir chez nous. Ouais. Si vous êtes incapable de tenir des insultes, ou bien des tirs, ou bien des fusillades, ou bien des prises d'otages, cassez-vous. Et je ne le répéterai pas deux fois. Votre casier judiciaire doit être vierge. Si nous observons quelqu'un qui essaie de se faufiler entre les mailles du filet, il finira arrêté et jeté dans une prison. Très bien. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un? Va le dire, s'il te plaît, Falcon. Va aller le banquier là. Ah, bien sûr. Vous allez passer à la dernière étape, les tests physiques. Très bien. Nous allons évaluer votre épreuve physique si vous êtes capable d'être bon physiquement. Parfait. Et d'être des camarades. Attends, de vous entraider, chacun. Tous, bon, tous ici. Parfait. D'accord. Ma banque s'est fait braquer. Pareil pour toi, le middle. Ce qu'on m'a dérobé. Et pareil pour toi avec ta gueule de con là. Toute serrée là. Formatif. Les suspects vont être recherchés. Pas actuellement. Allez, venez avec moi. En colonne. Nouveau marine. Allons-y. Allons-y et suivons. Je crois que je suis derrière. Moi je tombe. Eh, vraiment, ils ont cru que c'était des singes à sauter comme ça. C'est la flotte. Face à moi. Oh putain. Ok, super. Est-ce que vous connaissez le code d'honneur de la marine? Oui, chef.
Bah tu connais pas le code d'honneur. Allez, l'eau où je l'ai, messieurs. Ok, ok. Allez, j'ai froid. Code d'honneur. Et vous, je vais vous donner le code d'honneur. Après chaque phrase, vous répétez après moi tous ensemble. Vous devez travailler votre cohésion. Mon arbre est l'allongement de mon bras. J'en prends soin. Mon arbre est l'allongement de mon bras. J'en prends soin. Oh mon Dieu. En toutes circonstances, je me conduis avec honneur, courage et dignité. En toutes circonstances, je me conduis avec honneur, courage et dignité. Sur le front, je combats avec mes frères. Dans la difficulté comme la facilité, je coupe sur eux et ils comptent sur moi. Sur le front, je combats avec mes frères. Je m'engage à servir la marine malgré l'adversité. La vie de mes frères d'armes est aussi importante que la mienne. Dans la promotion et dans la punition, je l'accompagne car nous ne ferons qu'un. La vie de mes camarades, dans la punition, je l'accompagne car nous ferons qu'un. Allez, sortez, revenez sur la flotte, il y a une échelle là, allez-y. Il fait froid. Tiens ton ballon. Est-ce que vous savez porter une arme à feu? Oui, monsieur. Oui. Bah oui. Pas de problème. L'allongement de mon bras. Et j'en prends. Hein? J'en prends soin. J'en prends soin. Circonstance, je me conduis avec honneur, courage et dignité. Je me conduis avec honneur, courage et dignité. Sur le front, je combats avec mes frères. Sur le front, je combats avec mes frères. Dans la difficulté comme dans la facilité. Dans la difficulté comme dans la facilité. Je compte sur eux et ils comptent. Je compte sur eux et ils comptent sur moi. Je m'engage à servir la marine malgré l'adversité. Je m'engage à servir la marine malgré l'adversité. La vie de mes frères d'armes est aussi importante que la mienne. La vie de mes frères d'armes est aussi importante que la mienne. Dans la promotion comme dans la punition, je l'accompagne car nous formons cas. Dans la promotion comme dans la punition, je l'accompagne car nous formons cas. Mon arme est l'allongement de mon bras, j'en prends soin. Montrez-moi les papiers du bateau, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, on va voir ce charpentier. Mais monsieur, déjà, est-ce que ce géant peut monter sur ce bateau? À partir de ce moment-là, il y a un problème. Donc c'est pas leur bateau, c'est pas possible. À quel moment ils peuvent prendre un bateau comme ça? Regardez-moi la tête de ce géant. Ok. Quand on est avec les autres matelots. Ah, si vous êtes pris en otage, caporal, il faudra pas pleurer. Hein. La vie de mes frères d'armes est aussi importante que la mienne. Allez, tout solide. Et où? Dépêchez-vous. Dehors. Parfait, allons-y. Ouais, vous voulez la faire où, les gars? La ligne. Face à l'estrade. Oh là, c'est bien. Vous aurez une épreuve entre vous. Je vous laisse 5 minutes pour réviser le code d'honneur. Et vous allez devoir le réciter devant moi à partir de ces 5 minutes-là. Si vous ne vous l'avez pas réussi à connaître ce code d'honneur par cœur, je vous exclue tous de la formation. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Affirmatif, mon caporal-chef. Je reviendrai alors. Vous avez intérêt à le savoir tous ensemble. C'est draconien, non? Un peu, quand même, ce qu'il vient de faire, là. C'est drac... C'est pour la cohésion. Quelqu'un s'en rappelle? Mon arme et l'allongement de mon corps. Ça, c'est ça, ma vie. Déjà. De mon bras, de mon bras. De mon bras. De mon bras?
de mon corps, non ? Et j'ai dit mes points, mon arme est aussi importante que le mien. Non, non, c'est pas ça, attends. Là, attends, mon arme et l'allongement de mon bras, j'en prends soin, c'est pas ça ? Je vais vous envoyer une petite copie où vous savez, messieurs. Mais... Après, il y a... Très bien. On commence maintenant, caporal chef ? Mon arme, mon allongement de mon bras, j'en prends soin. En toutes circonstances, je me conduis avec honneur, courage et dignité. Pour le frère, je me bats avec mes frères dans la difficulté, la facilité, je compte sur moi. Je m'engage Je suis aussi important que la mienne. Vous voulez forger le code d'honneur, vous voulez salir le code d'honneur, vous allez en payer votre gueule de con là. Dépêchez-vous et dépêche-toi aussi, je t'embête dans ta gueule toi. Dépêche-toi. Mais si, Rouma, vite. Toi aussi, que doit-on faire ? Dépêche-toi. Mon jeu, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez forger le code d'honneur ? Compte sur moi. Je m'engage à servir la marine malgré l'adversité. La vie de mes frères est arme aussi importante que la mienne. En tant que pistard, je souhaite faire la punition x10 et eux qui soient à sec, ils vont être malades. Ils vont pas être malades, vu que je prendrai la punition s'il le faut. Tu veux plus dire tes camarades parce qu'ils sont malades. Non, moi je vais être puni et eux ils rentrent. Je vais faire la Faites-les venir. Ah, il veut se sacrifier pour les autres, c'est bien, c'est beau, ça votre c'est beau, c'est un beau geste. Votre pistard veut se sacrifier pour vous. Et bah, va dans la flotte. Parfait. Va dans la flotte, pistard. On y va avec lui. Viens, le géant. Va de la flotte. N'y allez pas. Allez, tous unis, les gars. On y va, j'ai dit. On y va. Mon arme et l'allongement de mon bras, j'en prends soin. On respecte le code de l'honneur. Faut pas oublier la dernière. Et voilà, c'est comme ça, on l'a compris en dessous. Allez, venez, allez, c'est bon. C'est bien, messieurs. Vous êtes pas comme ces deux connards qui ont pas sauté à la flotte. Si, ça arrive. Oui, mais je reste avec l'échelle, y'a pas de soucis. T'as besoin de moi pour l'échelle ou pas ? Non, ça ira, merci. C'est juste pour monter le mur. C'est moi qui n'y arrive pas. Eh bien, je t'emmerde. Les deux points sont respectables. L'un a voulu écouter l'ordre pour bien faire. Les autres ont voulu ne pas écouter les ordres pour aider ses frères. Et dans le code d'honneur, ces deux points sont spécifiés. Vous devez être là pour chacun. Vous devez mourir pour chacun. Vous devez aussi... écouter vos... Très bien. Écoutez, oui. Moi, je vais mon rôle de pistard. J'ai pris la punition sur ma gueule pour que l'équipe soit pas punie. Messieurs, il est temps pour vous de aboutir à la formation. Très bien. De porter votre écution. Très bien. Parfait. De porter vos grades. Parfait. Enfin, la formation est finie. De porter votre fierté. Très bien. Votre intégrité. Très bien. Votre présence. Vos envies. Vos motivations à la marine. Ce n'est qu'un début, messieurs. Affirmatif. Mais il est temps pour nous de... Oui. S'en termine là. Vous avez tous réussi et abouti votre formation. Très bien. Très bien, parfait. Moi, Chico Gold a passé première classe ou seconde classe, je sais plus. Voilà. Au grade de seconde classe. Très bien.
Parfait. Ce n'est que le début pour vous, messieurs. Comme j'ai pu expliquer il y a peu, ce n'est qu'un début de votre formation. Affirmatif. Au cours de la semaine, deux formations vous seront proposées. La formation de devenir première classe. Cela se passe directement par formation. Une formation plus approfondie expliquant le permis de port d'armes. Très bien. La diplomatie. Très bien. Le comportement. Très bien. L'utilisation du call radio. Très bien. L'utilisation du Trello. Pour tenir informé votre supérieur, vos superviseurs, votre watch commander, mais aussi le dispatch. Car chacun d'entre vous pourront dispatcher les équipes. Et peut-être un jour obtenir le même galon que j'ai moi-même. Très bien. Parfait. Après avoir obtenu votre classe et passé première classe, vous pouvez décider de postuler dans une section. Très bien. C'est ce que je veux. La section scientifique, la section militaire, ou bien la section logistique. Par la suite, vous obtiendrez du galon, passant de caporal à caporal-chef. Et un jour, on viendra pour vous, ou chacun d'entre vous ici. Passeront l'épreuve de l'examen des sous-officiers. Très bien. Un examen qui vous sera étudié sur votre comportement, votre leadership et votre façon de procéder. Très bien. Parfait. Chacun d'entre vous est le futur caporal que je suis demain. Et j'espère pour vous que vous serez ici, avec moi dans 10 ans. Parce que j'aurai du galon, mais vous aussi. Très bien. Dans 10 ans, j'espère pas être... Vous avez tous réussi, et je tiens à vous applaudir, messieurs. Félicitations. Merci, félicitations à tous, bravo. Merci, merci, bravo. Merci mon caporal chef. Merci, bravo. Merci, Fem. Pour ça, nous allons tous fêter ça aux bars. Je vous laisse. Ah ouais. Juste avant ça, en terminer avec quelque chose. Rejoignez l'escargophone de la marée Chaka. Et demandez que vous ayez, du coup, vos galons. La seconde classe. Affirmatif. Par rapport à ça, vous allez devoir rejoindre quelque chose qui s'appelle...